de te réécouter, cette fois rentré au QRA, donc depuis le département de 13, t'es 59, 59 plus Jaffa, 59, 59 plus ici sur le département 60. Je te retourne le micro avec toutes les amitiés, 092 055 à l'écoute. Ok Mike, ben merci. Alors toi, ça aussi entre 57 et 59 plus 10, ça aussi, j'ai un peu de QRM espagnol. Ça ne change pas, ils sont toujours là, ceux-là. Voilà, ben, c'est plaisant de t'écouter. Hein. Ben, je te remercie pour la petite vidéo là, en rapport avec la Delta 04. Ça fait toujours drôle de m'attendre. Ouais, c'est vrai qu'on me disent certains collègues Hôtel Florida, c'est vrai que j'ai un sacré accent du Sud. Bon, je m'en moque moi-même, hein, je suis désolé, mais moi j'ai pas trop l'impression d'avoir l'accent, mais c'est vrai que quand même, sur les dernières vidéos que tu m'as faites et le père Constantin sur le Portugal, c'est vrai que j'ai un sacré accent du Sud. Hein. Voilà, retour Mike. Ouais, ok Jeff, bah tu sais, moi c'est la même chose, mais avec le parler du Nord, bon je suis pas ch'timi quand même. Juste cousin, là, je suis un petit peu plus au sud que les amis ch'tis. Écoute, on se refait pas, hein, on a l'accent de la région dans laquelle on vit et c'est comme ça. Tu auras l'occasion de t'en rendre compte une nouvelle fois, la caméra est encore en route, donc il n'y a pas de souci, je te mettrai le lien dès que le téléchargement sera terminé. Quand il y a des signaux comme ça, j'aime bien faire les vidéos parce que c'est vrai que ce sont quand même des conditions optimum pour réaliser les enregistrements, et puis pour moi la fréquence est relativement libre. J'ai quasiment pas de QRM, mais même si on a, tu passes amplement par-dessus. Hein. Niveau WX ici, bah, ça change un petit peu. On a eu une belle journée là aujourd'hui. Hein. On a une belle journée. Il y a eu quelques passages nuageux, mais le mercure est bien monté. On a atteint les 28 degrés avec pas mal d'éclaircies et ça change un petit peu, ça remet un petit peu le baume au cœur. Donc je suis dans le chac là depuis 10 minutes, un quart d'heure uniquement. Hein, j'ai profité de cette clémence côté météo. Voilà, j'ai vu que ça passait pas mal là sur quelques départements français, le sud principalement avec des contrôles très très forts. Et puis bah, pour ma part, demain je vais aller voir les amis Zulu Kilo qui font l'HB5. Là, ils sont actifs actuellement sur 620. Et ce, pendant 3 jours, en 14 ZK barré HB5, ils font un petit meeting là, à l'occasion du 5e anniversaire. Donc comme c'est pas très loin du QRA, c'est à 40 km d'ici, je vais aller leur faire un petit coucou, un petit visu. Hein. Voilà, je te retourne le micro, Jeff, 14 Radio Sugar 092, 14 Echo Delta 055 à ton écoute. Ok Mike, ok ça passe bien au dernier passage, 59 plus 10 constant. Ouais c'est vrai que les Zulu Kilo là, j'en ai contacté quelques-uns, autant en activité qu'en QSO là, et c'est des braves gars là, hein. J'ai discuté avec deux là, alors j'ai plus les numéros d'unité en tête, il faudrait que je note une sorte de petite liste avec les gars que j'ai l'habitude d'écouter et qui sont assez sympathiques là. Comparé à d'autres Français, comme je disais au père Fabrice là, avec la grosse levée de propagation qu'il y avait lundi, mardi et mercredi, il y avait un sacré paquet d'abrutis en fréquence. Là, voilà. Bon, c'est sûr qu'il n'y en a pas qu'en France, mais en France, il y en a un bon paquet, quoi. C'est pas grave, ça fait partie des joies et des aléas de la radio. Hein. Ouais, pour en revenir à tes vidéos, effectivement, moi, tu es dans un très bon secteur parce que j'ai souvent regardé tes vidéos, bon, pas que moi, heureusement, hein. Mais c'est vrai que tu as des sacrés reports là, au niveau des stations que tu contactes, là, tu as des sacrés reports. Hein. Voilà, j'ai pas la même réception que toi, bon, j'ai pas le même matériel aussi, mais je pense que l'aérien doit beaucoup jouer avec peut-être ton QTH actuel, quoi. Voilà, et pour en revenir au beau temps, ben ici il fait vraiment très chaud, là je suis rentré ce matin du département 04, voilà, je suis rentré du département 04 ce matin. Alors dans le 04, vraiment, c'était vraiment agréable, hein, très agréable au niveau des températures, avec des nuits assez fraîches pour pouvoir bien dormir, et des journées assez chaudes dans l'ensemble, qui m'a permis de faire de la randonnée pédestre et de profiter un peu du soleil avec un bon bouquin au milieu d'un champ et aussi de faire de la radio. Mais ici, depuis que je suis rentré ce matin, là, il fait vraiment très lourd.
très peu d'air, hein, il y a très peu d'air entre l'étang de Berre et la mer Méditerranée. Hein, je sais pas, il doit y avoir peut-être une distance de 20 km à tout casser. Et c'est vraiment très 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 chaud, limite lourd. Bon, après, comme je disais, au Père Fabrice, on passe en plaine, hein, parce que entre l'automne, l'hiver, le printemps, vraiment pourri que nous avons eu ces derniers temps, on va pas se plaindre du soleil, mais à choisir, je préfère quand même le temps et la température du département 04. Voilà, retour Mike, 692-055 à toi. Ok Jeff, pas de problème avec le 100%, 9 plus 10 constant, dernier passage. La propagation tient bien là et c'est tant mieux. Bien pris là pour ce que tu disais pardon, sur les membres Zulu Kilo. Ouais, il y en a pas mal qui sont actifs, notamment sur le 60. J'en connais pas mal là sur le 60. Donc il y a Seb 062 qui est actif beaucoup en mobile. Il y a les deux Thierry 004 et 011. Il y a Dom 040, il y a Raymond, je ne sais plus le numéro d'unité. Raymond passe très très fort aussi et il est à vol d'oiseau à 8 km du QRA. Hein. Il est à côté de chez moi. Pour ce qui était des vidéos et les signaux, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir les vidéos du TS570. Donc c'était dans les premiers enregistrements que je faisais. Les signaux sont un petit peu plus faibles. Hein. C'est vrai que le S-Met du 950 est pas feignant. Je suis en préamplification de niveau 1, donc il y a deux niveaux, mais le deuxième ça sert à rien d'utiliser puisque tu chopes autant les QRN, QRM que la voix, donc c'est pas nécessaire. Il m'arrive de couper la préamplification de réception complètement, mais bon, sur cet étage-là en général ça passe bien. J'ai jamais de signal à zéro au repos, hein, même quand sur des fréquences complètement dégagées, hormis sur d'autres bandes. Mais c'est le bon compromis. Pour ce qui est de l'aérien, écoute, c'est un aérien qui est relativement QRP, c'est une Skyper. Hein. J'utilise une Skyper qui a été conçue par 31 Romeo India 001 José. Qui n'est pas à des hauteurs extraordinaires, puisque la Skyper n'a pas besoin d'être grimpée bien bien haut pour bien fonctionner. Elle se situe à 11,50 m du sol. Le QTH ici est à 80 mètres au-dessus du niveau de la mer. Par contre, il y a un azimut. L'azimut 180 degrés qui ne m'est pas favorable du tout parce que j'ai une petite butte à passer. Le village voisin est lui à 150 mètres. Hein. Donc, tu vois, il y a un fort dénivelé entre le village avoisinant et celui sur lequel j'émets. Mais par contre, pour le reste de l'azimut, ça passe bien. Donc j'ai quelques petites contraintes sur le continent africain. Voilà, l'Afrique, c'est pas un couloir propice pour moi. Par contre, Sud-Amérique, c'est que du bonheur. Et puis l'Est Europe également. Et pour ce qui est du Nord d'Europe, en Scandinavie, Grande-Bretagne, c'est complètement dégagé. Hein. J'ai rien qui me gêne. Chez nous, il n'y a pas de relief. Tout est plat. Hein. Tout est plat sur le 60. Il n'y a quasiment pas de relief. Hein. Je te dis, le plus haut relief qu'il y a aux alentours de chez moi, c'est 150 mètres. Hein. Donc c'est vraiment minimum. Voilà ce que je peux dire un petit peu pour préciser le QTH ici. Voilà Jeff, j'espère que la propagation est toujours ouverte. Je retourne le micro et puis sur le prochain passage, je te saluerai. Je te laisserai profiter de l'ouverture. Et puis ça me permettra aussi de couper la vidéo. Là je suis à 9 minutes. Donc en général j'essaye de ne pas dépasser le quart d'heure parce qu'après c'est extrêmement long à télécharger. Je te retourne le micro Jeff, 14 Radio Sugar 092, 14 D055 à l'écoute. Ah ok Jeff, hein, j'ai entendu le message de salutation. Je te le retourne. 73 Jeff, j'espère également que tu pourras écouter le salut de ce soir. Bonne continuation à toi, profite bien de la propagation, bonne soirée, un très très bon week-end et je te dis à bientôt en fréquence 14 Radio Sugar 092 Jeff, 14 Echo Delta 055, bye bye. Je sais pas trop ce que c'est exactement. Bah, vraiment désolé là, au plaisir, pas au plaisir, mais sûrement à bientôt Mike avec un plaisir là.
un de ces quatre avec grand plaisir ou via Facebook, y a pas de souci. Bon week-end à toi, Mike, à bientôt. Bon week-end, Jeff, merci, bon DX, bye bye, 73, amitié.